Oui, c'est moi, c'est pas. Ok, du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bandes noires sur Sony Vegas Pro, comme je vous l'ai montré à l'instant. Ok, du coup, pour réaliser ça, vous avez besoin d'un clip, moi je vais prendre un clip Fortnite, et de générateurs de médias. Alors, on prend deux générateurs de médias noirs. Ok, dès que ça c'est fait, je vais en profiter pour les raccourcir, pour les mettre sur toute la durée de la vidéo. Ok, du coup, là, on a nos trois clips, on a donc nos deux générateurs de médias et notre clip Fortnite. Ou un autre clip. Actuellement, je vais placer un point, je vais faire M, pour jeter un point quelques secondes après. Je vais dans panoramique recadrage d'événements. Là, du coup, on va cliquer sur curseur de synchronisation s'il n'est pas coché. Ici, du coup, on a déplacement. Normalement, il est dans X et Y. On va le mettre uniquement dans Y et on va activer l'alignement clear touche mage enfoncé pour surplanter. Au début, du coup, on va mettre ça au milieu. Comme ça. Là, on va aller à notre point. Et on va le mettre comme ceci. On vient faire de même pour l'autre. Et bah, du coup, vous avez des bandes noires qui s'ouvrent. Et voilà. Après, si vous ne voulez pas une ouverture, vous avez juste à réaliser, enfin, mettre vos bandes noires comme ceci. Alors, vous avez juste à réaliser ça et vous aurez juste des bandes noires. Vous ne rajoutez pas le premier point.